Donc, attraper, désensibilisation, l'école, mettre l'école, sensibilisation, l'école, c'est de la pression, désensibilisation, main, l'ange, drapeau, homme. Donc, ça, vous avez vu, et jusque vous pouvez faire ça, par modelage, progressivement. Après, il y a le drapeau qui précède l'homme, mais juste être sûr que vous pouvez caresser le cheval avec le corps de l'être. Regarde, caresser, c'est pas ça. Ça, c'est pas caresser, ça c'est agiter. Et caresse. Vous pouvez faire pareil avec le longe. Doubler le longe d'abord. Si vous ne pouvez pas passer le longe d'ici à là-bas, sans que Chupette il panique, il ne faut pas faire pareil avec ta jambe. Donc, si tu ne peux pas faire ça, peut-être pas prêt à monter. Donc, être capable de faire ça. Déjà, c'est modelé, donc c'est fait avec le stick, c'est fait avec le cordelette. Je peux lancer le cordelette autour d'ici, bien sûr, autour de là et autour de là. Tu peux même désensibiliser certaines choses. Note bien, quand je prends le sangle, je prends avec cette main-là. Je ne fais pas avec cette main-là. Pourquoi? Si je fais avec cette main-là, je mets ma tête trop bas. Tu n'as pas l'intérêt de mettre ta tête en dessous dans 2 ans ou en 3 ans. Ce n'est pas bien. Donc, cette main-là, glisser, cette main-là sur le longe, glisser, récupérer cette côté-là, et tu peux faire des choses comme ça. Si vous avez un cheval qui mordre au sanglage, tu peux faire ça aussi. Serre ça un petit peu, bloque s'il mordre, et juste désensibiliser à le sanglage. Super. Il y a d'autres techniques, bien sûr, de désensibilisation pour le sanglage, je vais montrer. Et après, il y a le drapeau. Où on peut déplacer le cheval avec et on peut sensibiliser et désensibiliser. Le drapeau, ce n'est pas uniquement la désensibilisation. Vous pouvez utiliser le drapeau pour déplacer les épaules. Vous pouvez utiliser le drapeau pour déplacer l'arrière-main. Et vous pouvez utiliser le drapeau pour désensibiliser. Et surtout, avant de monter, être capable de déplacer le cheval avec le drapeau qui s'agit. Pas simplement à l'immobilité. Que vous pouvez faire ça avec le cheval immobile, c'est une chose, c'est bien. Mais le problème ne va pas arriver dans l'immobilité. Le problème va arriver pendant que vous bougez. Donc, être capable de mener la tête en avant et faire le même exercice que j'ai fait au début, qui est et hanche et épaule. Fais attention. Good baby. Fais attention avec le drapeau au début. Quand tu changes le côté, j'explique. Pendant que je fais hanche, et quand je passe vers l'épaule, il faut que je fasse attention de ne pas jeter l'épaule dans la zone aveugle ici. Sinon, le cheval peut frapper avec l'antérieur. Quand il frappe avec l'antérieur, vous allez faire « Ah! » et retirer le drapeau, et le cheval va apprendre de lancer à l'antérieur. Ce n'est pas idéal. Donc, pendant qu'on fait ça, il ne passe pas là, on fait hanche. Super. Change. Parfois, tu peux faire ça ou passe tout près de tes pieds et fais épaule. Mais passe pas le drapeau dans la zone aveugle. La zone aveugle, c'est ouais, ici, en dessous de la ganache, toute cette zone-là qui reste très délicate. Aveugle parce qu'il ne voit pas, mais aussi, c'est là où il y a tout ce qui est vital. Et c'est important pour eux parce que si un prédateur veut prendre le zèbre, il veut le prendre là. Ou sinon, sur le côte de jarret. Dans les deux cas, c'est deux endroits qui sont délicats chez les chevaux. Donc, il faut progressivement aller dans ces endroits-là. Commence avec le stick et progressivement. Et surtout, comme je faisais avec le longe, être capable de bouger le drapeau sur l'autre côté du cheval. C'est très important. Quand tu mets le drapeau l'autre côté, tu ne peux pas, avec un jeune cheval, faire ça avec le drapeau en restant ici. Vous allez être ramassé par un tsunami, mais vous n'avez jamais vu un truc pareil. Et ça arrive. Les gens, ils mettent ici, ils mettent le drapeau de l'autre côté,
Le cheval est peur le drapeau et ils sont ramassés par le cheval. C'est pas idéal. Donc, quand tu passes le drapeau l'autre côté, vous êtes près de la tête et vous faites l'autre côté. Mais pas en étant ici. Et vous pouvez aussi faire tout ce travail-là en étant sur la barrière. Mais avec le drapeau, je peux déjà mettre en place une base de contrôle, déplacer l'épaule, accélérer un petit peu. Puis juste jeter le diapo et voir où je suis. Trotter un petit peu. Si le cheval va trop vite, disengage l'arrière-main et relance dans l'autre sens. S'il va trop vite, disengage, va dans l'autre sens. Ah! Si vous trouvez ça très, très inspirant, n'hésite pas, viens pour le prochain séminaire ici, chez moi, près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.